Coucou mes petits snappers, comme vous le savez, je n'attaque jamais la première et apparemment, Kim a décidé de me tacler ce soir dans le Mad Mag. Comme vous le savez, elle n'est plus dans les anges, donc il faut bien un moyen pour elle d'exister quelque part vu qu'on ne la voit plus à la télé. Et donc ce soir, j'ai décidé d'être un petit peu généreuse et de lui donner encore un tout petit peu de lumière. Alors moi, je trouve ça triste, lamentable, pitoyable de prendre autant le public à partie de te faire passer pour une victime. Kim, c'est la reine du off. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire off, ça veut dire qu'en fait elle fait tout en dehors des caméras. La nuit, elle passait son temps à nous insulter, à nous dire qu'elle nous manipulait, qu'on était ses marionnettes, qu'elle était à sa 9e télé. Donc elle savait très bien ce qu'elle faisait, et ce fameux soir où elle a embrassé Anthony, elle est rentrée complètement bourrée à la maison. Et elle s'en est prise violemment à Anto. Je sais, c'est un peu ambigu, il y a deux Anto, Anthony. Elle a pris un bol qu'elle a éclaté sur Anto. Donc le public, ne soyez pas crédule. Elle n'est pas partie parce que on l'a poussée à bout ou parce qu'elle n'en pouvait plus. Elle est partie parce que son vice ne marchait plus avec nous et qu'elle était démasquée. Grâce au montage qui t'ont fort avantagé et à ta parole d'actrice, tu arrives à faire croire à certaines personnes que tu es une victime. Le fameux jour où Kim est partie, la veille, ce n'est pas le jour que vous avez vu. La veille, c'était un jour off. Et voilà ce qui s'est passé en off. Ce fameux jour où elle a raconté que Vincent l'avait violentée ou frappée. Pardon. Oui, cette scène a été filmée. Et heureusement pour nous, parce que c'est la seule vidéo qui prouve notre innocence et son vrai visage. Donc ce fameux jour en off, elle est rentrée à 5 h du matin avec ses copines, complètement ivre et hystérique, sans que personne l'ait provoquée. Quand elle dit que Vincent l'a cherchée, or qu'il était sagement en train de dormir dans sa chambre, ainsi que les autres anges, elle est allée jusqu'à dire que Luna n'était même pas là, qu'elle n'avait même pas le droit à la parole. Regardez ce tweet. Donc, soi-disant ce soir où Vincent a été violent et qu'il n'y avait personne, je vous laisse découvrir. Alors moi, ça m'attriste vraiment, ça me choque qu'on passe pour les mauvais, qu'on passe pour des gens qui l'ont persécutée, alors qu'elle a toujours fait ça dans les Marseillais elle-même. Kim est connue pour pousser les gens à bout. Elle a toujours été comme ça dans toutes ses saisons. Comment vous ne pouvez pas voir son vrai visage? Moi, je suis jalouse d'elle. Quand j'entends que moi je suis jalouse d'elle, mais enfin on vit en quelle année là? Je demande rien à personne, on vient toujours me chercher, on vient toujours gratter ma lumière, on vient toujours gratter un article. Stop! C'est vraiment la dernière fois où je m'exprime, je mets un point final à toute cette histoire, parce que de toute façon elle n'est plus dans l'épisode, donc elle n'existe plus. Et je pense qu'il serait grand temps qu'elle suive une thérapie, de savoir qui est Sophie et qui est Kim. Parce qu'elle en a grand besoin. Sur ce, bonne soirée. Et une dernière chose, on ne tacle pas les gens sur leur physique. Parce que pour une personne qui vient de faire refaire ses fesses, mais qui continue de photoshopper ses photos. Vous pensez que moi, j'aurais soutenu, peu importe, mon ami ou pas, un homme qui tape une femme, même une femme que je n'aime pas? Vous pensez que tous les anges de la maison, même ceux qui n'avaient pas forcément d'affinité avec Vincent, auraient plaidé sa cause? Kim, sa force, c'est de prendre les gens par les sentiments, de se faire passer pour une fille qui ne va pas bien, pour qu'on la défende à sa place. Regardez au début des épisodes, qui est-ce qui défendait Kim? Mélanie. Qui est-ce qui s'est embrouillée avec Evie pour Kim? Moi. Qui est-ce qui s'est embrouillé avec Aneya par rapport à Kim, les jumelles et Thomas? Kim dit soi-disant que on s'est tous acharnés sur elle. Mais là, toi, en fait, t'es toujours en train de t'acharner sur moi. La nuit, quand les caméras étaient coupées, elle nous faisait du harcèlement psychologique, comme vous pouvez le voir. Tout ça, c'est pas inventé, c'est pas monté, c'est rien. C'est nous qui avions peur d'elle. C'est pas le contraire, c'est pas l'inverse. Alors je dis pas qu'elle a pas souffert de sa rupture avec Anto. Mais quand moi j'ai essayé de dire à Kim d'un œil bienveillant,
de lui dire ne te mets pas avec quelqu'un d'autre pour oublier Anto. N'utilise pas un mec comme pansement, parce qu'au final, j'ai fait cette erreur, et ça mène à rien. Sauf que moi, je suis le genre de copine, je vais peut-être pas prendre des pincettes, je vais peut-être manquer de tact, en fait, je vais être énervée parce que j'ai envie de te raisonner. Et au final, on pense que j'essaye de passer pour la fille qui veut donner des leçons, mais quand t'aimes ton ami à la base, tu lui veux son bien. Tu vas pas l'inciter dans ses conneries, et quand au final, ben, ça se retourne contre toi, et que tu vois le vrai visage des gens, même si ça s'est passé hors caméra, bah en caméra, t'as plus envie d'être amie avec eux. J'ai même pas de méchanceté envers Kim, j'ai de la pitié. Elle me fait de la peine parce qu'au fond, quand t'es aussi mauvaise, tu peux que être mal à l'intérieur. Coucou les petits snappers, retrouvez-moi dans seulement 10 minutes sur le Mad Mac pour tout vous dire sur mon aventure.